Le vrai Jax ne frapperait pas son meilleur ami. Johnny Cage, je me réjouis de te massacrer. J'ai jamais rien fait pour toi. Gotcha! On te soignera un de ces jours. Eh ben, ça fait plaisir de les revoir. Sonia, ce n'est pas lui. Major Blade. Sergent, qu'y a-t-il? C'est ça l'ascenseur? Oui. L'ascenseur. Centaur enferme les âmes de mes ancêtres. Elle me guide. Et elle pourrait pas se dépêcher un peu, là? Vite! Continuez. Vous, vous restez là. Fermez la porte. Vois-tu enfin, Raiden? Ton héritage. Tu infestes leur cœur d'espoir. Et qu'as-tu à offrir?
la même chose qu'il y a des milliers d'années, quand tu as trahi les autres dieux et que tu as attaqué la Terre. Nous t'avons arrêté, nous t'avons enfermé dans le Nether, et nous le referons. Quand l'ombre est éloignée de la lumière, elle grandit. L'héritage de la vie, c'est la mort, Raiden. Mes disciples l'acceptent et vont de l'avant, en se battant pour moi. Désolé, madame. Vous avez pas vu. Misérable parasite, pathétique vermine, immondice infecte, comment oses-tu? C'est à moi. Comme toujours. Elle sera la première. Je sais pas trop ce qui vient de m'arriver, mais il y a une chose dont je suis sûr. Je t'interdis de lui faire du mal.
plus faire du mal. Ses fans. Tu es bel et bien un dieu déchu. Johnny Cage, l'amulette! Profite de ta nouvelle piole, papy. Sonia? Johnny... Est-ce qu'on a... Ouais. On l'a eu. Reste là. Les pouvoirs de la chambre guériront rapidement, Sonia Blade. Quan Chi et les autres, disparus. Une vague d'énergie à l'intérieur de la chambre a submergé mes sens. On s'occupera de Quan Chi plus tard, Kenshi. Nous avons fait une jolie prise aujourd'hui. L'amulette de Shinnok. Et à l'intérieur... Ce vieux Gueulderet lui-même. Nous devons rapporter cette amulette aux dieux anciens. Ils ne peuvent la détruire. Personne ne le peut. Ils sauront peut-être quoi faire. Shinnok ne doit pas s'échapper. La guerre n'est pas terminée. Quan Chi s'est échappé. Pourquoi souris-tu? Elle m'a appelé Johnny. D'après Raiden, je serai issu d'une secte guerrière de la Méditerranée. Des guerriers au service des dieux. J'ai jamais pu invoquer à nouveau ce halo vert. Pour Raiden, il a été déclenché par la vue d'un être aimé à l'agonie. Et toi, Cassie, tu peux aussi générer un truc comme ça, ou ça a sauté une génération? Eh, doucement, Jin. On n'a pas eu besoin de Halo au Darfour, ni en Iran, ni au Kurdistan. Pas vrai, Jackie? Ça, c'est sûr. Les Shaolin t'ont déjà envoyé là-bas, Jin? J'en ai vu plein des conflits, et Takeda aussi. Des trucs qui feraient chier dans leur froc, les forces spéciales. Ta gueule! Du calme. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez. Écoutez, vous êtes tous uniques et formidables. Bref. Ça vous a vraisemblablement échappé, vu que j'ai pas reçu vos cartes de vœux. Mais sachez qu'on fête aujourd'hui nos 6 semaines en tant qu'équipe. Le secrétaire Blake est très satisfait de nos progrès. Même si on lui crachait à la figure, il serait très satisfait de nos progrès. C'est quand même lui qui a demandé à Monsieur Cage de former l'équipe. Je suis content que les Shira et Ryu m'aient envoyé. Ces nouveaux endroits, ces nouvelles rencontres...